Tu peux être qui tu veux en regardant Vie ton métier de rêve avec Barbie et Candy. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 8 ans, je suis en classe de CE2. Mon rêve est de devenir championne de natation parce que j'aime nager et j'adore la compétition. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Bah, bienvenue à Marseille. Tu m'as dit que tu voulais être nageuse? Oui. Bah, je vais te faire découvrir le cercle des nageurs, c'est là où je me suis entraînée. Puis après, je vais te montrer la salle de muscu et après, tu vas me montrer un petit peu ce que tu sais faire dans l'eau. D'accord. Alors là, c'est la piscine où je me suis entraînée et après, je te montrerai la salle de musculation qui est en haut là-bas. Combien de temps tu t'entraînais par jour? Je me suis entraînée 5 heures par jour plus 1 heure de musculation, donc ça fait 6 heures et 6 jours sur 7. Mais c'est pas trop difficile? C'est difficile, mais après, quand on est en compétition et qu'on gagne, on oublie tout ce qu'on a fait avant et c'est magique. Donc c'est difficile sur le moment, mais après, on profite. Là, c'est la salle de musculation où je m'entraînais 1 heure par jour. Voilà. C'est très grand et il y a beaucoup d'appareils, donc c'est pour muscler tout le corps. Quelle partie du corps est la plus importante à muscler? Le plus important, c'est les jambes, les bras, les épaules. En fait, il faut tout muscler. La natation, ça muscle tout. Et il faut quand même beaucoup travailler sur les épaules parce que les épaules ne sont pas habituées à tourner toute la journée. Donc, beaucoup les épaules et les jambes, pour avoir beaucoup de force. Quelles qualités il faut avoir pour être champion olympique? Alors il faut être passionné, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait, et parce que c'est quand même assez dur. Et après il faut bien se concentrer, il faut savoir faire, il faut accepter de ne pas être la meilleure de temps en temps pour pouvoir justement gagner la fois d'après. Qu'est-ce que tu as ressenti dans des compétitions importantes? J'étais très contente de gagner parce que c'était mon objectif. Moi, quand j'arrivais à une compétition, je me dis il faut que j'arrive première et surtout pas deuxième ou troisième ou plus. Et donc, je suis contente pour ma famille qui m'a soutenue depuis que je suis partie de chez eux à 14 ans et à mon entraîneur qui me supportait tous les jours pendant 7 ans. If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see c'est it, dur, hein? You have to admit it and live it and live it. Mais j'étais ravie de te rencontrer, hein? C'est bien. J'espère que tu resteras une grande championne et que tu feras des compètes comme moi. Bon bah je te fais un bisou, t'es contente de ça? Et j'espère que tu arriveras à faire tout ce que tu veux. Merci. Bon bisous. C'était génial, j'ai passé une journée de rêve. Maintenant, c'est sûr, je vais être championne de natation. Et toi, c'est quoi ton métier de rêve? Championne de natation, c'est commencer tôt, 6 heures d'entraînement par jour, avoir l'esprit de compétition, être fair-play, une bonne hygiène de vie. C'était Vite ton métier de rêve, pour devenir qui tu veux, avec Barbie et Kenby.